up with me? Let's go! I'ma keep winning till the world stops spinning. I'ma keep winning till the world stops, stops. I love my curves and the skin I'm in. Switch it up, turn it around, take it up again. Keep up with me, come on, let's go. Keep winning till the world stops spinning. Come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops spinning. Come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops spinning. I'ma keep winning till the world stops spinning. Come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops spinning. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au lancement du Oppo Reno 5 ici en Algérie. Je suis Redam Amir, directeur général adjoint chez Oppo. Et je suis extrêmement heureux d'être ici avec vous pour vous montrer le dernier Reno 5. Le smartphone portrait AI qui fait ressortir le meilleur de vous-même. Alors que nous continuons tous à traverser ces moments difficiles et à relever les différents défis des communautés à travers le monde, il est si inspirant et si gratifiant de voir que la technologie a un impact réel et positif sur la vie des gens. Leur donnant les moyens en ces temps d'adversité d'être ensemble et de continuer d'aller de l'avant. Aujourd'hui, avec plus de 370 millions de clients et plus de 40 000 employés dans plus de 40 pays à travers le monde, chez Oppo, nous nous sentons davantage responsables de continuer à innover et à repousser les limites de nos produits afin de continuer à enrichir la vie des gens de manière plus significative. En Algérie, nous soufflons notre sixième bougie. Nous avons commencé avec le lancement du Joy 3. Nous avons ensuite lancé la série F, que vous connaissez sûrement, avec le F1, F1S jusqu'au F11 Pro. En suivi d'autres séries, comme dernièrement la série A. Enfin, nous en sommes avancés vers la série Renault, à laquelle nous ajoutons ce dernier né, le Renault 5. Nous avons la chance d'être dans une position où nous pouvons agir en fonction de nos responsabilités. Innover dans la technologie pour l'humanité et apporter de la beauté au monde. C'est notre engagement qui souligne notre vision. Cela signifie que de notre point de vue, la technologie n'est qu'un moyen, et le but de l'innovation est le client. C'est exactement ce qu'Oppo a fait avec son innovation technologique, une innovation vertueuse. Oppo utilise la technologie pour donner aux utilisateurs les moyens de capturer la beauté de ce qui les entoure. Alors, comment pouvons-nous être à la mesure de notre engagement? Nous créons la technologie avec cœur et âme. Tout le monde chez Oppo aime créer et nous nous donnons cœur et âme à tout ce que nous créons. Notre seul but est de vous rendre la vie meilleure de toutes les manières possibles. Récemment s'est déroulé l'Oppo Inno Day. Nous avons annoncé notre stratégie 3, NX, pour accélérer notre innovation technologique. Le 3 se réfère à trois projets de développement technologique, à savoir le matériel sous-jacent, les logiciels et les technologies de service. Toutes ces technologies deviendront la base technologique du développement à long terme, qui aide Oppo à produire de meilleurs produits, qui forment un écosystème technologique au profit de tous. Le N fait référence à plusieurs capacités essentielles sur lesquelles Oppo travaille depuis longtemps, y compris la connectivité, l'intelligence artificielle, la sécurité et la protection de votre vie privée. Quant au X, eh bien, il représente les capacités d'Oppo pour construire une technologie différente, qui comprend actuellement des technologies de la vidéo et de l'image, ainsi que la technologie de charge flash VOOC. Oppo a des méthodologies matures et pratiques réussies dans ce domaine. Nous sommes les premiers dans l'industrie à avoir offert des fonctionnalités de beauté, de technologie quad pixel, technologie de zoom par 5 ou de technologie de vidéo anti-secousse. Chez Oppo, nous sommes très fiers de notre technologie d'appareil photo et nous sommes encore plus fiers d'être en mesure d'apporter nos dernières innovations caméra dans la série Renault. Avec une imagination riche pour interpréter et exprimer les joies de l'amour, l'amitié, de la famille, le Renault est toujours là pour vous aider à créer et enregistrer les plus beaux moments de votre vie. Nous sommes convaincus que le Reno 5 va au-delà de la technologie innovante, car il vous encourage à tirer le meilleur de chaque moment de votre quotidien. Bien sûr, notre dernier atout de la série Reno 5 ne pouvait pas mieux incarner cette croyance en cet engagement. Avant de vous parler de ce petit bijou, je tiens à vous exposer notre service après-vente en Algérie. Comme vous le savez déjà, Oppo reste continuellement à l'écoute de ses consommateurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous mettons à votre disposition le numéro 3313 pour toutes vos demandes d'informations et requêtes. Pour mieux répondre à vos besoins, nous avons créé 6 centres de service après-vente, dont 2 à Alger, 1 à Constantine, à Annaba, Oran et Tlemcen, ainsi que 3 points service à Béjaïa.
Pour les autres wilayas, nous possédons un service de relais. En d'autres termes, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez laisser votre appareil dans la boutique de détail la plus proche. Nous nous chargerons du reste et vous n'aurez qu'à récupérer votre téléphone une fois réparé. Afin de mieux vous satisfaire, nous avons aussi mis en place le service One Hour Flash Fix. Ce service vous offre la possibilité d'effectuer vos réparations en une heure de temps maximum. Quelle que soit la réparation que vous voulez effectuer, et ceci 5 jours sur 7, dans tous nos centres de services après-vente officiels. En plus du One Hour Flash Fix, nos centres de services après-vente organisent chaque 10 du mois le Oppo Service Day. Durant cette journée, vous pouvez bénéficier de services tels que la désinfection de votre téléphone Oppo, la mise à jour de votre système, l'application de la protection sur votre écran, et tout ça gratuitement. De plus, la main-d'œuvre est gratuite et un rabais pouvant aller jusqu'à 20% est appliqué sur toutes les pièces de rechange avec une garantie de 3 mois. Pour votre confort, une boisson vous sera offerte en guise de bienvenue. Je voudrais aussi vous annoncer le lancement prochain du Oppo Care Service. Ce service vous offrira la possibilité de bénéficier de garanties supplémentaires, telles que l'extension de la garantie sur l'écran ou le téléphone. Maintenant, nous allons vous faire découvrir plus en détail ce petit bijou qu'est le Reno 5, en invitant M. Adel Ben Hassir. Mais auparavant, je vous laisse découvrir en quoi ce téléphone va révolutionner votre quotidien. Ok, ça marche. Allez, à vous. Plaisir de vous voir. Capturons la vie ensemble. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus sociables que jamais. Nous communiquons et nous nous exprimons non seulement par des mots, mais aussi par des images et des vidéos. Et comme les yeux immortalisent les moments les plus importants de notre vie, le smartphone est donc devenu l'outil indispensable pour partager ces moments-là. Avec sa technologie révolutionnaire de caméra, le Reno 5 nous donne le pouvoir de donner vie, comme par magie, à la couleur et à la lumière du monde qui nous entoure. En capturant sans effort des portraits uniques et exceptionnels en vidéo ou en photo, le jour ou la nuit, nous donnons vraiment les moyens de capturer la vie ensemble. Oppo a toujours ouvert la voie dans la technologie des appareils photo, des smartphones, offrant la meilleure expérience de photographie à portée de main. Pour cette raison, les utilisateurs d'Oppo sont devenus des vlogueurs et des photographes, qu'il s'agisse d'un selfie quotidien ou d'un coucher de soleil. Et depuis le Reno 2, nous avons étendu notre technologie de caméra de pointe dans la création de performances vidéo sans précédent. Maintenant, avec le Reno 5, nous avons relevé la barre bien plus haut que jamais. Le système de caméra ultra puissant et intelligent est plus performant que jamais, permettant à n'importe qui de réaliser une vidéo de qualité professionnelle. Alors maintenant, vous vous demandez probablement ce qui se passe dans les coulisses pour donner vie à toute cette magie. Commençons par la mise en place du système de caméra. Le Oppo Reno 5 est équipé d'une matrice arrière quad-cam, immensément puissante grâce à sa caméra principale de 64 mégapixels, d'une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels
et d'une caméra macro de 2 mégapixels, mais aussi d'un objectif mono de 2 mégapixels. Et c'est en se combinant qu'ils deviennent une force inégalée. En plus d'une puissante caméra selfie de 44 mégapixels qui vous permettra de capturer tous les détails magiques de la vie. Je suis très heureux d'annoncer que l'Oppo Full Dimension Fusion Portrait Vidéo System fait ses débuts sur le Renault 5. Il s'agit d'une première dans l'industrie et sans doute le meilleur système d'imagerie sur le marché pour des performances de portrait supérieures. Le système vidéo portrait FDF est composé de deux moteurs puissants. Le moteur d'amélioration de l'image qui est une suite d'algorithmes qui peuvent vous aider à capturer des vidéos claires et le moteur de perception du portrait qui permet de maximiser les effets des algorithmes. Ensemble, ils offrent une série de fonctionnalités conçues pour booster les vidéos de portrait et les photos. Avec la puissance du système vidéo portrait FDF, nous sommes convaincus que le Renault 5 peut-être l'expert portrait AI qui vous aidera à exprimer le meilleur de vous-même à tout moment. Permettez-nous de vous présenter certaines de ces fonctionnalités intelligentes. Le AI Mixed Portrait combine une vidéo portrait avec un autre clip dans une image pour produire des vidéos créatives et amusantes. Il fusionne les vidéos de portrait et d'arrière-plan vous permettant de créer ce que vous le souhaitez. Laissez-nous vous montrer comment cela fonctionne. En utilisant le mode silhouette, le portrait se fond harmonieusement dans l'arrière-plan et le sujet devient une partie intégrante de la scène autour de vous, transformant la vidéographie ordinaire en quelque chose de plus amusant et artistique. Nous pouvons également utiliser le mode AI Mixed Portrait en mode blend. Ici, le portrait sera plus visible, sans rien perdre de l'arrière-plan. C'est comme si l'on regardait deux souvenirs en même temps. Cette fonction utilise la technologie de l'appareil photo double afin que vous puissiez interagir avec le monde qui vous entoure d'une toute nouvelle façon. Avec la vidéo à double vue du Renault 5, nous pouvons maintenant enregistrer simultanément à partir des caméras avant et arrière, brisant les limites de la perspective traditionnelle d'une seule vidéo. Imaginez-vous un seul instant jouant sur scène en capturant votre performance en même temps que les acclamations et les cris de la foule. La vidéo à double vue offre beaucoup de place à la liberté créative. Avec une seule pression sur le bouton écran partagé, l'affichage se fait dans trois styles différents, divisé, rond et rectangulaire. Et vous pouvez faire glisser les écrans ronds et rectangulaires quand vous le souhaitez. En profitant de la configuration de la caméra du Renault 5, vous pouvez même utiliser la caméra arrière pour zoomer sur les plans et utiliser la fonction d'embellissement de la caméra avant. Pour des milliers d'utilisateurs de smartphones, le critère le plus important pour la vidéo reste les conditions de lumière. Ils peuvent prendre des vidéos étonnantes en bonne lumière. Mais dès que la lumière disparaît ou qu'il y a trop de rétroéclairage, leur vidéo devient sombre, floue et pleine de bruit. Le Renault 5 intègre une fonctionnalité leader de l'industrie, le AI Highlight Video. Pour résoudre ce problème, lorsque vous ouvrez cette fonction, il utilise un algorithme AI pour détecter les conditions de lumière et ajuster automatiquement les paramètres de caméra en conséquence. Lorsque l'AI détecte que la vidéo est enregistrée la nuit, elle passe à l'algorithme vidéo Ultra Night Exclusive d'Oppo pour optimiser les portraits en veillant à ce que même les prises de vue nocturnes soient lumineuses, nettes et naturelles. De même, lorsqu'il détecte la direction que vous photographiez dans les conditions rétroéclairées, l'algorithme HDR en direct entre en jeu pour atténuer les zones surlignées et égayer les sections sombres de l'image. Plus important encore, il fait tout cela tout en gardant le sujet parfaitement exposé dans l'image. Le AI Highlight Video est pris en charge sur les caméras frontales et arrière. Ainsi, avec le AI Highlight Video, le sujet de la vidéo se démarque toujours. Comme nous pouvons le voir dans ce clip, le portrait est beaucoup plus propre et plus clair. Il montre à la fois les personnes et les arrière-plans exposés avec précision. Et tout ceci
avec le moins de bruit en arrière-plan. En effet, grâce à l'algorithme d'intelligence artificielle, vous pouvez basculer de façon transparente entre les emplacements et les conditions d'éclairage sans vous soucier de la qualité. Les fans de la fonctionnalité populaire AI Color Portrait seront heureux d'entendre qu'elle est également disponible sur le Renault 5. Avec le AI Color Portrait, l'algorithme d'AI est capable de mettre en valeur votre personne en donnant une touche de couleur uniquement à vous seul, tout en transformant l'arrière-plan en noir et blanc. Le monochrome vidéo vous permet de mettre en évidence uniquement les rouges, bleus ou verts dans une vidéo, vous permettant ainsi d'accentuer le bleu du ciel ou les verts de l'herbe. Alimenté par l'intelligence artificielle, Soloop rend l'édition facile, amusante et plus cool. Tant et si bien que beaucoup d'utilisateurs l'utilisent comme leur application de montage vidéo par défaut. Sur le Renault 5, nous pouvons ouvrir Soloop directement à partir de l'interface de la caméra. Soloop analyse chaque clip vidéo original et génère une vidéo combinée basée sur son analyse. Il offre également différents modèles vidéo et des modules actifs pour ceux qui veulent personnaliser encore plus. Sur le Renault 5, nous avons pas seulement augmenté les performances en vidéo, nous avons aussi apporté toute une série de fonctionnalités et de performances améliorées en photographie. Grâce aux performances combinées de la caméra arrière extra haute définition de 64 mégapixels et de l'algorithme de super résolution d'Oppo, le Renault 5 est capable de générer des images de super haute définition de 108 mégapixels. Cette haute résolution peut capturer des détails ou des textures plus riches dans les images. Vous serez impressionné par la quantité de détails que l'image ultra clear de 108 mégapixels peut capturer, vous surprenant avec des détails que vos yeux mêmes n'ont pas pu remarquer. Cette fonctionnalité ne permet pas seulement de garder le sujet du portrait clair, il peut également ajouter un effet de fond de qualité film pour rendre des plans de nuit beaucoup plus dynamiques. Lorsque vous prenez des photos de portrait, les images peuvent souvent devenir floues en raison des secousses de l'appareil photo. Pour cela, nous avons travaillé à partir du nouveau système d'exploitation pour créer le moteur Image Clear, permettant aux utilisateurs de capturer des images claires quand ils veulent. Les experts en portrait de l'intelligence artificielle d'Oppo sont assez intelligents pour comprendre l'environnement qui vous entoure. Le AI, renforcement de la scène, identifie automatiquement la scène dans laquelle vous vous trouvez et ajuste les couleurs en conséquence, donnant à l'image entière une plus grande dynamique et des couleurs bien plus agréables pour les yeux. Maintenant, nous allons voir le design du téléphone en commençant par sa couleur. Le Renault 5 dispose d'une finition Fantasy Silver. Des millions de cristaux sur la couverture arrière de cette version brillent comme des étoiles dans la Voie lactée. Le Renault 5 existe également en Starry Black. Cette expression du ciel nocturne présente une nuance de noir profond. Cette technique donne l'effet de millions de minuscules diamants intégrés sur la couverture arrière. Fantasy Silver n'est pas seulement une couleur argentée, elle montre des milliers de couleurs différentes sous différents angles et dans une lumière différente. Pesant seulement 171 g et à 7,8 mm d'épaisseur pour l'option Fantasy Silver et 7,7 mm d'épaisseur pour le Starry Black, la minceur de la conception permet aux utilisateurs de tenir confortablement le téléphone dans la main ou de le garder dans leur poche sans se sentir encombré. Pour obtenir un design aussi compact et élégant, nous avons réduit la longueur de la carte mère du Renault 5 de 0,6 mm et le couvercle de l'écran est maintenant plus mince de 0,1 mm. Le Renault 5 offre un bond en avant dans la technologie d'écran qui correspond à ses principales fonctionnalités de caméra. Capturant la vie ensemble n'a jamais été aussi plaisant pour les yeux. Le Renault 5 dispose d'un écran de 90 Hz, apportant une fluidité bien supérieure aux écrans de 60 Hz. Que vous fassiez défiler des fils d'actualité ou que vous jouez à des jeux, l'expérience soyeuse et lisse
est instantanément perceptible. Comme toujours, nous détenons des normes premium quand il s'agit de l'écran de la série Renault. Le nouveau Renault 5 est livré avec un écran AMOLED de 6,4 pouces et un rapport écran de 91,7% et un rapport aspect de 1/29. Et il prend en charge 90 Hz de taux de rafraîchissement et 180 Hz de taux d'échantillonnage tactile. Avec son contraste élevé, vous pouvez voir les moindres détails même si vous l'utilisez à l'extérieur les jours les plus ensoleillés. Tout cela sans oublier sa technologie de déverrouillage d'empreintes digitales 3.0 qui garde vos données en sécurité. L'écran du Renault 5 est également certifié par SGS comme un écran SGS A Care Display, aidant à protéger la vue des utilisateurs sur l'utilisation à long terme. Oppo est heureux d'annoncer que le Renault 5 est certifié Netflix HD et Amazon HD, ce qui permet d'explorer plus de détails à partir des films étonnants, spectacles et documentaires disponibles sur ces plateformes. L'expérience audio sur le Renault 5 est tout aussi étonnante que l'expérience visuelle ultra claire. Avec le soutien de Dolby Atmos, le Renault 5 offre des effets sonores plus réalistes, vous plaçant en plein milieu de l'action. Je vous laisse maintenant découvrir ses fonctionnalités avec notre spécialiste filmmaker Nassim Bensliman. Salut tout le monde, comme vous le savez aujourd'hui, il est dur de trouver sur le marché des téléphones qui correspondent à nos besoins en termes de vidéo et d'image. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais vous parler du nouvel Oppo Reno 5. Ce petit bijou m'a vraiment ébloui. Pour dire vrai, j'ai testé différentes caractéristiques et j'ai été vraiment séduit. Alors commençons tout d'abord par le Dual View. Vous avez déjà pensé à filmer avec deux angles différents dans une même vidéo et un écran partagé? Eh bien sur le Reno 5, comme vous le voyez, on peut utiliser la caméra avant et arrière en simultané. Ce qui va vous permettre de partager un maximum de moments avec vos proches et les gens qui vous suivent sur les réseaux. Idéal pour vos vlogs. Et parfois, nous aimerions ralentir le temps pour apprécier chaque détail. Grâce au Renault 5, vous pouvez carrément le stopper avec sa caméra qui permet de filmer en hyper slow motion de 960 fps pour un rendu quasi inégalé. Netteté, détails, couleurs vivantes, tels sont les composants du magnifique capteur du téléphone avec le mode Live HDR, qui améliore la qualité du rendu final et qui est assez impressionnant pour un téléphone portable. Qui dit AI Sense Enhancement dit renforcement du côté couleur, avec un algorithme qui arrive à détecter saturation, couleur et brillance. Pour un résultat quasi parfait, vous n'aurez que vos yeux pour apprécier la beauté des photos et des vidéos. Avec le Color Portrait, vous pouvez jouer sur le mode monochrome en transformant vos sujets et en gardant les couleurs que vous voulez. Avec un fond en noir et blanc, vous pouvez soit mettre le bleu, le rouge ou le vert pour un résultat garanti digne d'une production. Le Renault 5 apporte aussi une fonctionnalité exclusive avec le mode portrait mixte en vidéo. Vous pouvez superposer n'importe quelle vidéo de paysage ou de personne sur une autre personne pour un effet artistique des plus éblouissants. Et je vous laisse découvrir ça en images. Vous êtes dans un paysage sombre, il fait nuit peut-être? Ça ne sera plus un problème dorénavant avec le Ultra Night Mode. Vous pouvez prendre des vidéos en toute luminosité, peu importe l'obscurité qui vous entoure. Mais aussi avec le Night Flare, vous avez la possibilité, avec un traitement très très rapide, d'avoir un superbe rendu en très faible luminosité. Et moi qui pensais que je devais prendre mes projecteurs avec moi, sans vouloir trop en faire, j'aurais limite commencé à faire mes films avec ce téléphone. Je sais, j'en fais trop, mais honnêtement, pour un téléphone, toutes ces caractéristiques-là en font l'outil idéal pour quelqu'un qui veut se perfectionner et réaliser. Que ce soit artistique ou en étant amateur de photos et vidéos, je vous conseille le Renault 5. Le smartphone est devenu une partie intégrante de nos vies.
grâce à ses performances, nous allons jeter un coup d'œil sur ce qu'offre le Renault 5 pour que vous soyez sûr qu'il ne vous laissera jamais tomber. Chez Oppo, nous sommes extrêmement fiers des progrès que nous avons réalisés en matière de capacité de recharge des smartphones. Le Renault 5 est livré avec 50 watts de charge flash, qui est capable de charger le téléphone jusqu'à 80% en seulement 31 minutes et peut charger la grande batterie de 4310 mAh jusqu'à 100% en seulement 48 minutes. Pour vous donner une idée, vous pouvez ainsi regarder 3 heures de vidéo sur le Renault 5 après une courte charge de seulement 5 minutes. Afin de nous assurer que la charge flash de 50 watts est sûre, nous avons également mis en place 5 couches de protection. Tous les composants, y compris l'adaptateur, le câble USB, le téléphone mobile et la batterie, sont protégés par des puces spécialisées. Ces puces vérifient si les niveaux de tension et de courant sont dans les limites permises. Chaque fois qu'il y a un écart par rapport aux limites normales détectées, l'appareil s'éteint immédiatement. Grâce à cette protection complète de charge, notre charge flash 50 watts a également reçu la certification TÜV Rheinland Safe Fast Charge System. En plus de sa vitesse de charge rapide, le Renault 5 offre également des performances de batterie de haut de gamme. Lorsque le mode Super Saver est activé, le Renault 5 est capable d'accomplir des tâches essentielles sans que les utilisateurs craignent une faiblesse de batterie. Par exemple, il peut maintenir les communications même à 5% de puissance. Et pour ceux qui oublient de charger le Renault 5 avant d'aller au lit, en mode veille nocturne extrême, le téléphone peut consommer aussi peu que 1,3% de sa batterie au cours d'une nuit de sommeil, soit environ 8 heures. Le Renault 5 dispose d'un système multi-refroidissement qui ajoute des plaques d'acier à la structure inférieure de la couverture, des tuyaux thermiques à l'avant du boîtier, 3 couches de graphite sur la surface de la batterie et le couvercle supérieur. En plus d'un gel thermique sur la surface de la carte mère et une feuille de graphite de 0,05 mm d'épaisseur dans la zone de la boîte audio. Les utilisateurs n'auront plus à s'inquiéter que leur téléphone surchauffe lorsqu'ils jouent et chargent leur téléphone en même temps. Le Renault 5 prend désormais en charge l'algorithme de détection amélioré par l'intelligence artificielle aux côtés de la caméra selfie de 44 mégapixels. Permettant une série de fonctions main libre qui étaient uniquement possibles avant avec un matériel dédié. En fait, les fonctionnalités de style de vie activées par l'algorithme de détection amélioré de l'intelligence artificielle sont si pratiques que les utilisateurs auront bientôt du mal à vivre sans elles. Par exemple, Smart Message Privacy utilise l'algorithme de détection amélioré par l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement si d'autres personnes regardent l'écran de l'utilisateur. S'il détecte qu'un étranger est trop curieux face à certains détails, tels que les aperçus des messages, ces dernières seront masquées automatiquement lorsque la notification apparaîtra sur l'écran. Le Renault 5 prend en charge Smart Air Control, une option de contrôle basée sur les gestes qui permettent de décrocher ou mettre en sourdine un appel téléphonique, ou tout simplement de parcourir vos applications médias sociaux préférées telles que YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, sans avoir besoin de toucher physiquement votre smartphone. Vous trouverez que c'est un moyen pratique pour répondre aux appels téléphoniques. Lorsque vous faites la cuisine et que vous avez les mains sales ou que vous voulez couper soudainement un appel avec les mains grasses pendant votre déjeuner. Le Renault 5 dispose également de Smart Always On Display où l'algorithme peut détecter si vous naviguez sur votre téléphone et l'arrêter immédiatement. Nous avons équipé le Renault 5 du processeur Qualcomm Snapdragon 720 qui offre l'avantage d'exécuter un processus avancé de 8 nanomètres et la mémoire LPDD R4X pour consommer moins d'énergie et moins de chaleur tout en optimisant les performances du Renault 5.
Et avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sous le capot, le Renault 5 garde une longueur d'avance, qu'il s'agisse d'édition ou de partage de vidéos, de jeux ou de sessions Netflix. Nous lançons également le tout nouveau ColorOS 11.1 sur le Renault 5 qui introduit un système d'exploitation plus intelligent et personnalisé. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour apporter des améliorations qui offrent une plus grande efficacité et une plus grande personnalisation pour atteindre les utilisateurs mondiaux. FlexDrop. Avec FlexDrop, les utilisateurs peuvent glisser l'application vers le haut et avoir le multitâche avec deux fenêtres qui peuvent être placées autour de l'écran dans différentes configurations. Par exemple, pour envoyer des messages tout en regardant des vidéos ou tout en jouant. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux utilisateurs ont besoin de naviguer sur des sites web et des médias sociaux en langue étrangère. Pour faciliter cela, Oppo et l'équipe de Google Lens ont créé TWI Finger Translate, qui traduit automatiquement le texte dans une langue spécifiée. Lorsque les utilisateurs prennent une capture d'écran à trois doigts ou sélectionnent Google Traduction à partir de la barre latérale. Dans l'ensemble, notre protection de la vie privée et de l'information dépasse les normes de l'industrie, pour lesquelles nous avons reçu des certifications e-privacy ISO 27001 et d'autres certifications de confidentialité tierce. J'imagine que la plupart d'entre vous ont joué à des jeux mobiles sur téléphone à un moment donné. Pour la plupart des jeunes utilisateurs de Renault, les jeux mobiles ne sont plus seulement qu'une question de divertissement. Compte tenu de leur importance, nous avons conçu un certain nombre de fonctionnalités sur mesure dans le ColorOS 11.1 pour que vous profitiez d'une expérience de jeu complètement immersive. Grâce à la prise en charge du ColorOS 11.1 pour le mode gamer, les utilisateurs peuvent bloquer les distractions telles que les gestes plein écran, les boutons virtuels et les notifications leur permettant de se concentrer pleinement sur le jeu. Nous avons développé des messages bullet screen. Avec le bullet screen message activé, pendant le gameplay, les messages de notification seront présentés sous forme de fenêtres contexturées, de sorte que les joueurs ne seront pas affectés par les notifications de bannières qui bloquent l'écran. En plus d'optimiser le système pour réduire l'impact des interférences, nous avons également raccourci le chemin d'accès à certains jeux à travers le mode raccourci de jeu, permettant aux utilisateurs de plonger directement dans l'action en un seul clic. Pendant le gameplay, grâce à la touche de jeu réglable, les utilisateurs peuvent ajuster la fluidité du jeu et la vitesse de réponse tactile en fonction de leurs préférences, en s'assurant que le jeu répond toujours à leurs attentes. Le smartphone est devenu une partie essentielle de nous-mêmes. C'est pourquoi les utilisateurs sont toujours à la recherche de moyens pour personnaliser leur appareil. Nous avons apporté les fonctionnalités de personnalisation all-around d'Oppo au Renault 5 afin que les utilisateurs puissent personnaliser et concevoir les polysystèmes, les icônes, les hologrammes et les modes sombres, offrant une autre dimension à leur créativité. Avant, l'affichage permanent n'avait que des informations de base telles que l'heure et la météo lorsque l'écran du téléphone était éteint. Maintenant, le Renault 5 permet aux utilisateurs de personnaliser le contenu affiché lorsque l'écran est éteint en fonction de leurs propres besoins. Ils peuvent même le personnaliser plus encore en créant des affichages de dessins faits à la main. Pour offrir aux utilisateurs une expérience de visualisation d'écran plus confortable, le ColorOS 11.1 offre trois modes d'obscurité différents au choix. Et avec la fonction auto-luminosité, les utilisateurs peuvent obtenir l'expérience de visualisation d'écran la plus confortable sans avoir à changer constamment les paramètres. Qui de mieux que le gamer le plus populaire en Algérie, Mr. Shaft, pour vous présenter en conditions réelles les performances techniques et gaming du Renault 5. We'll be right back.
Alors je me présente, je m'appelle Chav, je suis rédacteur en chef en jeux vidéo depuis plus de 5 ans. J'ai écrit plusieurs reviews sur des jeux indépendants ou AAA, rencontré la crème de la crème dans le gaming. J'ai aussi couvert des événements à l'international, à savoir Paris Games Week ou le 3. Mais surtout, je suis un grand gamer dans l'âme depuis l'âge de 4 ans. Alors en ce moment, je kiffe trop ce qui m'arrive puisque Oppo Algérie m'ont contacté pour justement vous faire vivre mes sensations, expériences en gaming du dernier Oppo Reno 5 et je peux vous dire que je l'ai mis à rude épreuve. Alors il faut savoir que je suis super exigeant en termes de conditions de jeu, j'aime bien avoir mon écran 4K, du bon son. Alors du coup, quand j'ai attaqué le Oppo Reno 5, c'est très simple, je procède à mes propres paramétrages, image, son et consommation de batterie. Alors avant de commencer à jouer, vous allez sur paramètres affichage et vous allez tout simplement régler la dalle de 6.4 pouces qui supporte la résolution FHD+, à savoir 2400x1800 pixels sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour assurer une fluidité optimale. Rajoutez à cela, vous allez même pouvoir régler la saturation de la couleur en douce ou vive, tout dépend de vos sensibilités et préférences. Alors Oppo a doté son dernier Reno 5 avec la technologie 50 watts flash charge et avec une protection à 5 couches allant du téléphone vers l'adaptateur. Ceci va vous permettre tout simplement de charger votre téléphone pendant 5 minutes pour 3 heures d'autonomie, ainsi que 48 minutes si vous voulez vraiment le charger à bloc. Rajoutez à cela une batterie de 4310 mAh qui va vous assurer un confort d'utilisation, une autonomie parfaite. Alors la dernière partie concerne le son et là aussi j'ai été agréablement surpris par la présence par défaut du Dolby Atmos. Oui monsieur, avec la meilleure spatialisation sonore possible, surtout dans les jeux, pour offrir une meilleure immersion. Alors les ingénieurs soft Oppo ont intégré une superbe application qui s'appelle Espace de jeu. C'est très simple, vous allez télécharger votre jeu sur le store, vous allez les glisser en mode raccourci dans l'application et vous allez avoir droit à 3 modes de fonctionnalité. Un mode économie avec une répartition la moins performante en CPU, GPU, force du signal ainsi que l'économie de batterie. Un mode équilibré où là votre téléphone va tout simplement répartir les performances d'une façon très équilibrée entre le processeur, le GPU et la force du signal et l'économie de batterie et vous assurer une expérience accrue. Et le petit dernier, le grand compétition, le mode des champions, c'est comme ça que je l'appelle, mon petit préféré, c'est très simple ici, tous les circuits seront désactivés, votre téléphone va se mettre en totale immersion pour une expérience accrue. Alors c'est très simple, vous avez votre processeur, le Snapdragon 720G, ainsi que l'Adreno 618 épaulé par les 8 Go de RAM pour vous offrir les meilleurs graphismes, fluidité parfaite. Et ainsi, engager un mode de concentration de jeu où les notifs et la réception des messages apparaîtront sous forme de bulles flottantes. Alors profitant d'un écran AMOLED de 6.4 pouces avec une dalle de 90 Hz en rafraîchissement et une palette de couleurs super riche, les graphismes que j'ai pu tester s'affichent admirablement bien, avec bien sûr une beauté du pixel que j'ai pu remarquer honnêtement sur quelques écrans 4K. Alors que ça soit les détails sur l'écran qui s'affichent avec une finesse propre, les couleurs super chatoyantes, un plaisir et un délire pour les yeux. Alors on rajoute à cela les effets de réflexion et de réfraction sur les carrossiers de voitures, un jeu comme Rayman Adventure, un tableau vivant. Alors concernant la fluidité, le Reno 5 est au rendez-vous avec du 30 FPS sur certains jeux et même du 60, que ça soit en jeu de course, jeu de foot ou les FPS ou les Battle Royale, tout y est. Alors le hardware du Reno 5 assure et rassure justement par la fiabilité de son système de chargement. Je peux vous certifier que même en jouant avec le secteur branché, ça ne chauffera pas. Alors l'interface dynamique vous permet justement d'ajuster, d'optimiser le toucher afin d'obtenir une sensibilité accrue et un temps de réponse optimisé. Alors tous ces tests ont été possibles grâce à une protection de charge à 5 couches plus un système de refroidissement multiple. D'ailleurs vous pouvez faire vos parties de jeux vidéo tout en branchant votre téléphone au secteur sans qu'il ne chauffe. Afin d'assurer une charge en toute sécurité, le Reno 5 dispose de plusieurs méthodes de dissipation thermique. Alors bien sûr, vous gamers, je ne peux que vous conseiller le téléphone Oppo Reno 5 pour toutes ses qualités. Une belle image aux couleurs vives, une fluidité au rendez-vous pour les applications et les jeux, une prise en main et un confort d'utilisation super présent. La présence du Dolby Atmos, une réelle surprise pour moi qui est joueur de salon. Une consommation de batterie super optimisée, une température bien réglée grâce à un système de refroidissement multiple et ses protections à 5 couches. En plus, tu peux jumper d'un jeu à un autre en un toucher, une fonction qui me rappelle le fameux quick resume des consoles de salon. Bref, Oppo écoute les gamers et répond vraiment à leurs besoins, alors je dis oui, un grand oui à l'Oppo Reno 5. Merci à vous, c'était Shaft, salam. Le Reno 5 est le smartphone de ceux qui veulent se démarquer dans la vie. Avec les nouvelles fonctionnalités portrait comme le AI Mix Portrait, le Dual View Mode et le AI Highlight Video, les utilisateurs ont une foule d'outils créatifs avancés à portée de main, leur donnant encore plus de manières de créer des photos et des vidéos.
Les anciennes limites telles que le mauvais éclairage ou l'éclairage à contre-jour sont maintenant du passé grâce aux nouvelles fonctionnalités intelligentes du Renault 5. Et les possibilités sont vraiment infinies. Ce n'est pas seulement grâce à vos portraits photos et vidéos uniques en leur genre que vous vous démarquerez du commun. Le design élégant et chatoyant du Renault 5 couleur Fantasy Silver va faire tourner des têtes à chaque fois que vous prendrez un selfie. Avec le 50 W flash charge, les interactions sans contact, le Renault 5 rend la vie plus facile, donnant aux avant-gardistes et aux pionniers d'entre vous plus de temps pour se concentrer sur leur créativité. Le Renault 5 est vraiment conçu pour nous laisser capturer la vie ensemble. Et maintenant, l'instant que vous attendez tous, le Renault 5 sera disponible à partir du 20 mars à travers tous les magasins de détail partout en Algérie. Vous pourrez dès demain, 14 mars d'ailleurs, faire vos précommandes directement via le site suivant. Pour toute précommande faite avant le 20 mars, vous allez pouvoir bénéficier d'une enceinte Bluetooth ainsi que de 6 mois de garantie supplémentaire sur votre écran et une extension de 6 mois de garantie sur votre Renault 5. Le Renault 5 sera au prix de détail de 62 900 dinars et sera disponible en deux couleurs, le Fantasy Silver et le Starry Black. Avant de conclure, je voudrais vous annoncer que Oppo se lance aujourd'hui dans le marché des appareils connectés à Internet. Au-delà de la téléphonie, Oppo met son savoir-faire au profit du bien-être de ses consommateurs en créant un écosystème d'IoT. Du pratique au loisir, la marque vous accompagne dans la vie quotidienne pour la rendre plus agréable. Quoi de mieux qu'une montre connectée pour vous suivre tout au long de la journée? Pour cela, Oppo a lancé sa toute première série de smartwatches. Avec son écran AMOLED flexible incurvé, cet accessoire ne perd pas de son charme en combinant design premium et élégance. Qui dit smartwatch, dit smartband. Oppo vous la propose aujourd'hui en deux versions, une classique et l'autre dotée d'un anneau métallique. La smartband est munie d'un écran AMOLED couleur de 1.1 pouces, avec plus de 150 cadrans de surveillance entre les applications de santé, de sport, etc. Avec une autonomie qui peut aller jusqu'à 14 jours, la smartband d'Oppo sera à coup sûr votre meilleur coach. Nous avons fait le tour du outdoor, parlons maintenant du indoor, car Oppo a pensé à tout. 75% plus léger que son prédécesseur, le nouveau Oppo AR Glass 2021 améliore son expérience immersive avec sa nouvelle solution optique Bird Bath. Oppo se met aussi au Smart TV. La Smart TV S1 impressionne déjà. Doté d'un écran de 65 pouces, ce dernier supporte jusqu'à 1,07 milliard de couleurs pour vous offrir une qualité d'image plus vive et plus complète. Et le son n'a rien à envier à l'image. Avec une qualité créée conjointement avec la marque danoise Audio Hi-Fi haut de gamme, Dynaudio, qui vous donnera l'impression d'être au cœur de l'action. En Algérie, Oppo a lancé officiellement ses IoT à travers les oreillettes Bluetooth Enco, W11, W31 et W51. Les Enco sont parfaits pour les voyages et le sport. Elles offrent une multitude d'avantages très prisés de nos jours, tels que le chargement sans fil, une qualité audio professionnelle, une latence ultra faible et des commandes tactiles intelligentes, pour une expérience d'utilisation époustouflante. Et c'est sur cette note d'innovation que nous clôturons notre événement avec le lancement du Renault 5. J'espère que vous l'avez apprécié et merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. I don't know what we're after yet. I'm always checking my phone.